Pour moi, oui, mais pas pour les joueurs, effectivement, parce que c'est vrai qu'il pleut énormément sur le stade Jean Daugé, mais la pelouse est parfaite. Ce stade avec une pelouse hybride et la première touche, hein, vous le voyez sur la ligne des 22 mètres de Lyon, avec Facundo Bosch qui la récupère avec un petit peu de réussite. Et les Bayonnais et les Lyonnais le savent, surtout ne pas jouer chez soi, être le plus possible chez l'adversaire. Voilà pourquoi, depuis 5 minutes, on a assisté à pas mal de jeux au pied, très haut, pour essayer de mettre en difficulté l'adversaire, faire commettre la faute à l'adversaire. Et c'est déjà la troisième pénalité contre les Lyonnais. Mais vous le voyez, et Mathieu et Jean-Baptiste, le message est lancé par les Bayonnais avec le pied de Camille Lopez. On va chercher tout simplement la touche pour mettre sous pression cette équipe du Loup. Les Lyonnais qui n'ont pas encore joué, hein, nous disait-on, c'est Julien Puricelli qui nous le disait tout à l'heure, ils n'ont pas encore joué sous la pluie, alors forcément il va falloir s'adapter, mais pas le temps de s'adapter face à cette équipe de l'Aviron Bayonnais. Si, il y a un écran apparemment sur ce ballon porté, donc c'est une occasion manquée pour les hommes de Grégory Pata.
Avec des Lyonnais dans les 22 mètres de l'équipe basque. Le relais ici de Michael Guillard. Ballon relevé par Félix Lambé pour continuer à progresser. Ballon en main, oui, pas facile de se faire des passes dans des conditions aussi humides. Donc les Lyonnais, je vous disais tout à l'heure qu'ils doivent s'adapter. Ils sont en train de le faire. Alban Roussel repoussé par Denis Marchois, le capitaine de Bayonne. Des conditions très compliquées, toujours 0-0 après 12 minutes de jeu. Mais attention à Baptiste Couillou qui a trouvé Xavier Mignot. Xavier Mignot pris à deux. Ballon conservé par les Lyonnais. Couillou encore une fois. Mais la défense de Facundo Bosch est beaucoup dans l'avant. Oui, c'est inévitable dans de telles conditions sous les yeux de Romain Taofifenua, évidemment, qui devrait rejoindre le groupe France à l'issue de ce match. Alors que son frère Sébastien, lui, était protégé. Vous voyez ce rideau de pluie, toujours 0-0. 13 minutes de jeu. C'est Mignot qui est blessé.
Tu m'entends, Romain? Est-ce que c'est possible d'ouvrir Romain pour que je lui parle? Je t'entends. Ouais. Jackson, il est rentré poste pour poste? Ouais. Ouais, mais... J'ai l'impression, oui. Oh. Donc, pour Mignot, c'est la hanche. Et Abraham, c'est à l'aile. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Jackson en 10, Berdeux en 15 et Abraham. Berdeux en 15, voilà. Berdeux, à l'aile. Ouais, et ça. Abraham en, à l'aile. Ouais. Je trouvais ça bizarre quand même. Wow. Oui, une pénalité de Léo Berdeux après une seulement la deuxième pénalité hein, contre les hommes de Camille Lopez. Mais Léo Berdeux, lui, en a profité à 30 mètres face au poteau pour aller marquer les trois premiers points. Alors que là, c'est un en avant sifflé contre cher Tibérien. Mais j'ai l'impression que c'est uniquement le genou. Mais bon, l'arbitre a pris sa décision. Donc un en avant, un énième en avant dans ce match. Trois petits points seulement. 21 minutes de jeu et toujours deux équipes qui essayent de jouer le plus possible chez l'adversaire. Pally Jackson est entré à la place de Xavier Mignot. Résultat, réorganisation à Lyon. Berdeux est passé à l'arrière, Abraham à l'aile et donc Pally Jackson à l'ouverture. Mais c'est toujours Léo Berdeux qui prend le but. Et un des nombreux blessés lyonnais qui décidément ont beaucoup donné en ce qui concerne l'infirmerie depuis le début de saison. La mêlée avec Barnabé Couillot qui parvient à sortir ce ballon pour Paddy Jackson. Attention parce que ça va fuser. Cher Tibérien est vigilant. Le coup d'œil pour ensuite renvoyer les Lyonnais chez eux. Mais belle couverture de l'Irlandais Jackson. Ouais, il y a Rémi Bagé qui arrive comme une balle. Baptiste Couillot, pardon. Tibérien.
C'est la deuxième touche consécutive pour ces Bayonnais. Ils n'ont pas réussi sur la première, mais là, la prise de balle impeccable de la part de Pierre Huguet. Derrière, le ballon porté qui s'organise. Les Lyonnais sous pression. Les Lyonnais qui mettent 3-0 après 26 minutes de jeu. Une nouvelle pénalité. C'est déjà la septième contre les Lyonnais après seulement donc 25 minutes de jeu. Guillaume Martoc, lui, parvient à libérer. Le relais de Douzel Kassim. Le troisième ligne. Ballon conservé par les Basques. Ça ne profite pas. Nouvelle pénalité. C'est la deuxième fois qu'ils font ça. Hein.
8 pénalités en une demi-heure. 8 pénalités contre Lyon en une demi-heure. Et là, ils ont pris carton jaune. Ouais. Et là, ils ne remettent pas carton jaune. Ils en ont pris un tout à l'heure, pas maintenant. Oh, que j'ai froid. Un joueur de Bayonne qui est resté au sol. C'est Bosch. C'est bon, il se relève. Un essai sur ballon porté. C'est vrai que l'indiscipline lyonnaise coûte très très cher aux hommes de Fabien Gendjenbacher. C'est déjà la 9e pénalité. Et à force forcément de donner des ballons à l'adversaire avec cette bonne prise de ballon touche de Denis Marchois derrière, eh bien c'est le pack bayonnais qui avance. Alors qui a marqué? Bien malin est celui qui va voir qui a le ballon. Je me demande si c'est pas Kassim avec... Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Kassim qui permet donc à Bayonne de prendre l'avantage pour la première fois du match à la 33e minute. Kassim qui marque son 4e essai personnel cette saison. Ouais, pas beaucoup d'envolée évidemment dans ce match. Les conditions sont particulièrement difficiles. Le public de Jean Daugé, lui... est toujours là, il répond présent, il le sait, c'est important, même si elle est toujours sous pression, hein, cette équipe de l'Aviron Bayonnais, étant donné son classement et ses résultats à l'extérieur. Mais avec la transformation, ça fait donc 10-3 pour les Basques.
Jean-Baptiste et Mathieu est-ce qu'on reste à Bayonne? Voilà, je vais y arriver. Bon, apparemment oui. Donc avec Maxime Machenot qui essaye de repousser une nouvelle fois les Lyonnais. Des Lyonnais qui tiennent le ballon, hein, qui jouent assez souvent dans cette zone de terrain, mais qui ont du mal derrière à agresser un peu plus la défense bayonnaise. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que il y a trop d'indiscipline et des fautes qui font qu'à chaque fois, Bayonne peut renvoyer le jeu chez l'adversaire. Des Lyonnais en infériorité numérique, on le rappelle, après le carton qu'a pris le deuxième ligne Kopoku. Le petit par-dessus de Paddy Jackson, Tiberian en couverture, mais un en avant. Voilà les conditions particulières dont on parlait tout à l'heure. Et la réaction des coéquipiers de Baptiste Couillou. Rémi Bagé, oh le funambule Rémi Bagé, mais le coup de sifflet de Monsieur Gasnier. Ah oui, ça c'est dur. C'est dur parce qu'il avait encore réussi un sacré numéro. Ouais, mais faudrait que ça se répare, hein, parce que moi, s'ils me relancent, je le saurais pas. Hein. Ils étaient en train d'appeler ici en croyant que c'était Bordeaux, et du coup, ils ont coupé le moins 1, mais ils se sont perdus à Paris. D'accord, donc je les avais perdus. Et une équipe qui essaye de passer le drop puisqu'elle ne parvient pas à avancer, c'est celle de Lyon. Drop complètement manqué par Paddy Jackson. Et cette équipe de Lyon qui était en infériorité numérique mais qui va récupérer donc son deuxième ligne. Le voici, Joël Kpoku, l'anglais, dont l'absence a coûté cher à son équipe. Alors, il n'y a pas que son absence, il y a l'indiscipline, mais son absence a fait qu'en infériorité numérique, son équipe a cédé. Il n'y a pas eu énormément d'occasions depuis le début du match. Mais les Bayonnais à domicile savent saisir justement les opportunités. C'est pourquoi ça fait 26 matchs consécutifs qu'ils sont invaincus ici à Jean Daugé. Mais attention, parce que la dernière équipe à être venue gagner ici, c'était en Pro D2, c'était Grenoble. Et à l'époque, le manager de Grenoble, c'était tout simplement Fabien Gengen-Bacher, qui aujourd'hui est sur le banc de Lyon. Avec Marchois pour essayer de sortir proprement de son camp.
2 minutes 20 encore en cette première période. On va repasser par le pied de Maxime Machenot. Sur Montiglione, l'Italien revenu du tournoi. Ioane parvient à passer les bras pour Maracou. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour le... Et même si il insiste, et résultat derrière, il met en difficulté cette défense. Bagé, impeccable. Berdeux. Non, il y avait un en avant. Voilà une défense agressive, Mathieu, de la part des Bayonnais, qui empêche le Loup de progresser. Oula. Oh là là là.
Direct. Ah non, bravo.
Oui, il y a eu une pénalité de Camille Lopez. Oui, pas d'essai. Il y en a eu un seul dans ce match pour l'équipe de Bayonne qui gère parfaitement ce climat, cette pluie. Et c'est pas facile, évidemment. Vous vous rappelez en début de match que c'était la première fois de la saison, selon les dires du staff lyonnais, que cette équipe du Loup jouait sous la pluie. Et effectivement, l'équipe de Bayonne, elle, s'adapte plus facilement avec une occupation au pied. Et puis évidemment, Camille Lopez, toujours aussi précis avec son jeu au pied. Le maître tacticien Camille Lopez, avec en plus, c'est vrai, pas mal de petites fautes, pas mal d'indiscipline, surtout côté lyonnais déjà. 11 pénalités contre le Loup alors qu'on est à la 50e minute. C'est sûr que dans ces conditions, c'est compliqué pour Arnaud Egui, Fabien Gengenbacher et tout le staff lyonnais. On rappelle quand même que les deux équipes sont ex aequo en termes de points. Donc évidemment, c'est un match très, très important pour regarder un peu plus vers le haut que vers le bas. Et Romain Taofifénois, lui, est entré à la mi-temps dans le pack du Loup. Ouais, avec le coup de pied de Godwin pour repousser une nouvelle fois les Bayonnais. Cher Tibérien qui ne commet pas de faute de main et qui derrière renvoie une nouvelle fois les Lyonnais dans leur moitié de terrain. C'est un peu le jeu depuis le début. Et dans ce jeu, ce sont les Bayonnais, les coéquipiers de Tibérien qui sont les meilleurs parce qu'ils jouent plus chez l'adversaire. Donc forcément, quand en plus vous poussez l'adversaire à la faute, et derrière vous pouvez prendre le score. Alors certes, il n'y a que 10 points d'avance pour Bayonne, mais Arthur Ituria, que l'on voit avec son casque bleu, eh bien, le sait. Dans ces matchs-là, ce n'est pas forcément le style qui va compter, mais au final, c'est la victoire le plus important. Pas de style, de l'efficacité, c'est l'important. Il ouais, faut vraiment se baisser face à Tatafou. Hein. Thank you.
Victoria est demi de mêlée maintenant. Encore une touche perdue. 5 touches perdues. C'est Rémi Bourdeau qui marque le deuxième essai, qui récompense tout simplement le travail des avants de Bayonne avec une touche perdue au départ de la part de Lyon. Et ensuite, eh bien, les Bayonnais qui mettent la main sur le ballon et qui multiplient les temps de jeu. Une énorme séquence conclue par l'ancien Rochelet Rémi Bourdeau. Et l'équipe de Bayonne qui se détache 15 points d'avance face à une équipe décidément de Lyon qui donne beaucoup trop de munitions. 12 pénalités, 5 touches perdues. Une mêlée perdue, bref, ça fait beaucoup trop pour essayer de rivaliser avec les Bayonnais à Jean Daugé.
Bayonne, ils encaissent 14 points de moyenne en domicile. En moyenne à domicile, ils en sont. Ils en sont loin aujourd'hui. Oh, le jeu au pied, il est beau celui-là. Tu veux le bonus ? Eric m'a dit qu'il t'envoyait parce que à chaque fois que tu viens, on gagne. En même temps, c'est, ils ont gagné 26 matchs de suite. Ouais. Chose à Biarritz hier. Et c'est du bonus pour Bayonne. Il est signé Rémi Bagé à l'issue d'une pénalité rapidement jouée. Il a surpris tout le monde. Et regardez, personne ne regarde le ballon, sauf Rémi Bagé qui joue rapidement la pénalité. C'était la 13e pénalité sifflée contre Lyon. Rémi Bagé en profite. Ça fait 25-3 pour l'équipe de Bayonne qui s'est peut-être définitivement détachée dans ce match. C'est quoi ce truc? Tatafou, tatafou. Yeah.
14. Tellement serré, c'est tellement serré. Oh là là, oh là là, oh! Allez, Saït. Allez, le bonus est en poche pour cette équipe de Bayonne. Il est sécurisé. Regardez, avec l'inversion de Camille Lopez et ensuite le festival. On l'a parlé de Funambule tout à l'heure, mais Rémi Bagé met le feu tout simplement dans la défense lyonnaise. Après Silzé qui vient d'entrer et ensuite les plaquages manqués de la part de Lyon qui permettent à Thomas Seyt d'aller marquer ce quatrième essai. Bonus offensif sécurisé, 30-3. Les Bayonnais avaient coché ce match. Pour l'instant, mission accomplie. Et pourtant, on le rappelle, il n'y a pas eu beaucoup de jeux depuis le début du match parce que les conditions sont particulières. Mais Bayonne est très, très efficace. Et les Bayonnais marquent à chaque fois qu'ils en ont l'opportunité. Et résultat, sans l'air de rien, le score est à 32-3. Presque 30 points d'écart pour les Bayonnais qui ont, là on peut le dire, match gagné.
Un essai signé cher Tibérien avec le ballon sorti après le ruck, vous l'avez vu, par Aprasidze. Un temps de jeu supplémentaire. Aprasidze qui va chercher une nouvelle fois ses avants et puis le jeu va s'accélérer. Voilà pour sur l'extérieur. Lopez encore une fois. La bonne fixation et cher Tibérien en bout de ligne, bien servi par Arnaud et Bin Artegaray. Et c'est du grand art, hein, parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que Lyon a lâché et que surtout Bayonne déroule dans ce match. Là, on oublie la pluie, on oublie les mauvaises conditions. Ça défile les points, 37 à 3. En un quart d'heure, ils ont plié le match. 58-73. Un quart d'heure. Boum, 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 boum.
raison, ce gars. Ah, mais n'empêche qu'il n'est pas gardé. Hein. Ah bon? Il va à Castres. Mais non. En plus, ils perdent Cabèche. Et une 4, 5, 6e touche perdue. Ouf. Cormenier. Bon, bah 5 points gagnés. Je vais revenir. 27e victoire de suite à domicile. Enfin, à Jean Daugé.
Bagé soit pas gardé. Je vais vers la caméra. Tu me dis quand c'est bon, pas dit. Allez, avec Léo Berdeux. Léo, trop d'indiscipline aujourd'hui, trop de ballons perdus en touche pour espérer quelque chose aujourd'hui à Bayonne. Ouais, clairement, trop d'indiscipline, surtout après un mi-temps où on tourne à 10-3, mais j'ai l'impression qu'on est dans le match. On avait une stratégie d'occupation qu'on a plutôt bien mis en place et malheureusement, la discipline nous a mis dans le mal. Ils ont pris des pénalités, ils sont allés en touche, ils nous ont mis de mal en meute, ils ont marqué des essais comme ça. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui, t'en prends 40 alors qu'il pleut des trombes. C'est que je pense qu'à un moment donné, on s'est menti à nous-mêmes mais. Et on s'est trompé d'investissement, on avait coché honnêtement pour vous le dire ce match pour peut-être changer, pourquoi pas notre saison et peut-être voir vers le haut. Mais faut savoir qu'à chaque fois qu'on est à l'extérieur, depuis le début de saison, c'est 40 points pour nous. Donc je ne sais pas comment on peut changer cette mentalité, mais aujourd'hui, on sait que maintenant le haut tableau c'est fini. Il faut qu'on reste vraiment focus sur le maintien et qu'on fasse un maximum à domicile parce qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, c'est encore triste ce soir, mais j'ai envie de dire qu'on ne va pas lâcher et que la saison elle est encore longue. Alors justement, la deuxième mi-temps, elle était compliquée. On a l'impression que justement, à un moment donné, l'équipe a lâché. Ouais, clairement, on a lâché. Parce qu'on s'est dit derrière les poteaux, quand Rémi Bagé marque l'essai après la mêlée pénalisée où tous nos avants, il regarde le ciel et lui, il a joué vite pour marquer. C'est qu'à un moment donné, tu lâches le match. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un état d'esprit. Pour l'extérieur, on n'arrive pas à changer ce mindset. Et c'est dommage, c'est triste parce que on donne une image du loup à l'extérieur qui est faible et qui fait peur à personne. Donc tant qu'on continuera comme ça, on verra le bas tableau. Et maintenant faut s'accrocher parce qu'on est dans le mal et c'est ensemble qu'on arrivera à maintenir le club. Ça veut dire que c'est concrètement opération maintien aujourd'hui, il n'y a plus d'autre espoir? Ouais, c'est opération maintien. Comme je l'ai dit, on avait visé ce match pour pourquoi pas espérer une fin de saison meilleure et le tableau. Mais quand on prend 40 face à une équipe où tu étais à. Mais au même point au classement, c'est que t'es pas invité à être en haut du classement. Donc on sait que le loup aujourd'hui, depuis le début de saison, joue le maintien et aujourd'hui on le prouve encore une fois. Merci beaucoup Léo.